Kati. Ati Kati Kati. Ati Kati Kati. Yalnawe. Yalnawe. Yal Baba Mustafa we. Yal paroisse Sainte Thérèse d'Avila we. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Non, vous n'êtes pas chaud. Applaudissements bien fournis. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à l'émission Yalna, l'univers des enfants, l'univers des jeunes, des mômes, là où on s'amuse en apprenant. On apprend beaucoup en s'amusant. 9 mois se sont écoulés. 9 mois de dur labeur, 9 mois d'intenses travaux, 9 mois de cours, ça y est, les vacances sont là. Est-ce qu'on peut applaudir pour les vacances? Les vacances, eh bien, nous sommes habitués à lâcher prise, à s'amuser et surtout à reprendre du souffle pour recommencer une nouvelle année scolaire ou académique d'ici 3 mois. Sur Télé-Tchad aussi, vous l'avez vu dans Yalna, quelques établissements face à face pendant les 9 mois. Nous sommes donc au tout premier numéro spécial vacances sur Télé-Tchad avec 2 structures de jeunes, mais aussi religieux, parce que pendant les vacances, c'est dans ces centres qu'on retrouve les jeunes. Ici, on montre l'intelligentsia, on montre le génie des enfants tchadiens qui savent s'amuser ensemble. On applaudit bien fort pour les enfants tchadiens. Face à face, nous avons la paroisse Sainte Thérèse d'Avila. Applaudissements pour vous. Face à Sainte Thérèse d'Avila, la maison de la culture Baba Mustafa. Le contenu de Yalna reste le même, même jury. On a donc nos 3 boss. On va les appeler comme ça aujourd'hui. Ils sont là, prêts à regarder tout ce qui va se faire ici. Au milieu, l'artiste complet, l'artiste dinosaure. On l'appelle Gedim Djimbaye Razolo. On l'applaudit bien fort. À ses côtés, un médecin pour regarder surtout de très près la rubrique Tout beau, tout propre, où les jeunes viennent nous sensibiliser sur des sujets de santé. Il s'appelle docteur Atinemu Samuel. Mais c'est aussi un artiste, hein. Son nom d'artiste c'est Samy. On l'applaudit bien fort. Et puis, le 3e juré est un jeune enseignant. Son nom, eh bien, Dim Tevaï, succès. On l'applaudit bien fort, succès. Les rubriques aussi restent les mêmes. On va commencer par à qui la réponse. Juste après à qui la réponse, eh bien, tout beau, tout propre, 2 sujets. La toxicomanie et les accidents de la voie publique seront les sujets qui seront développés en ce moment-là. Juste après, tout beau, tout propre, on reviendra ici, mais avant, un petit tour dans les 2 structures pour regarder un peu comment les activités des jeunes se passent là-bas, que ce soit à Baba Mustafa ou à Sainte-Thérèse d'Avila. Retour sur le plateau, la rubrique adulée par les jeunes, fête à star, plusieurs manches, on commence bien sûr par l'hymne national, la chanson que tous les Tchadiens adorent, et puis poésie et chorégraphie pour finir. Mais rassurez-vous, on va s'amuser, on va faire des jeux. Et aujourd'hui, c'est le jeu Visette qui est au rendez-vous. J'espère que ça vous donne de l'eau à la bouche. Vous êtes contents pour le menu? Applaudissez bien fort pour vous. Ati kati kati kati. Ati kati kati. Yalnawe. Applaudissements pour vous. Allez, tout de suite et maintenant, nous sommes dans qui la réponse. Ati kati kati kati. Yalnawe. Applaudissez, applaudissez bien fort, c'est comme ça que ça va aller jusqu'à la fin. Nous sommes donc dans la toute première rubrique, la rubrique à qui la réponse. Des petites questions d'intelligence, on parcourt tous les niveaux. Tout ce que vous avez appris, que ce soit en lisant les journaux, en écoutant la radio, tout peut ressortir ici. Face à face,
les trois ambassadeurs qui vont défendre l'intelligence des deux structures face à face pour ce tout premier numéro spécial. Vacances sont pour la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, Barca, Deita, succès, on les applaudit bien fort. Et tenez-vous bien, ils sont en bleu, jaune, rouge, ça s'applaudit encore. Ça va? En forme? Vous allez bien? On dirait que vous êtes tellement complices, hein, le bleu, jaune, rouge. Vous avez tellement l'habitude de faire des compétitions ensemble. Ça vous arrive? Oui. Ou c'est la première fois que vous êtes comme ça ensemble? C'est ça. C'est ça. Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Face donc à eux pour l'équipe de la Maison de la Culture Baba Mustapha, on a Denis, Francine et Pardès. On les applaudit bien fort. Venez, venez, tout chaud. Quand on vient pour gagner, on marche comme un militaire. D'accord? Ça va? Bien. En forme? Bien. Vous êtes prêts? Prêts. Prêts? Nous vous parlez pas longtemps, c'est tout. On ne peut pas faire la fine bouche. Hein? Non. Tu es prête? Oui, yeah, je suis prête. Prête? Applaudissez pour eux, s'il vous plaît. Allez, les choses sérieuses commencent à présent. 10 questions, 5 par équipe, et ça passe par tour de bras. Je vais marcher entre les deux équipes. Une personne d'entre vous qui sent la chose prend le petit bout de papier, nous lit le contenu à haute voix et vous réfléchissez le temps de 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes où vous pouvez vous parler entre vous, discuter, chuchoter, mais 5 secondes top. Quelqu'un porte la voix de l'équipe pour formuler la réponse. Moi, je suis Toto dans cette rubrique. Je ne dis pas si c'est une bonne ou une mauvaise. Les membres du jury sont les seuls habilités à nous donner les réponses d'ici à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Le public, vous avez compris? Tic, tic, tic. Allez, on commence tout de suite. Et on les applaudit bien fort. Maison de la Culture, Baba Mustapha. Choisissez, et c'est la seule fille en valeur absolue qui prend les choses en main. Première question, allons-y. Devinette, quelle est la différence entre celui qui tombe du premier et celui qui tombe du deuxième étage? Alors, on précise la rubrique à qui la réponse. Il y a plusieurs spécialités. Là, nous sommes en devinette. Ça vous dit, il faut réfléchir. Déjà, quelle est la différence entre celui qui tombe du premier et celui qui tombe du dixième étage? Quelle est la différence entre celui qui tombe du premier et celui qui tombe du dixième étage? On ne vous le souhaite pas du tout. La différence est que le premier est tombé en première position et celui qui est tombé dernièrement est tombé après lui. Après lui? Oui. Donc c'est l'atterrissage, quoi. C'est ça? Oui. Applaudissez bien fort. Alors, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que toutes les réponses, toutes les tentatives de réponse doivent être accompagnées par vos applaudissements. Que ça soit bonne, mauvaise, vrai, faux, vous applaudissez systématiquement pour les encourager. Est-ce qu'on peut faire ça pour eux, s'il vous plaît? Première question, la main revient tout de suite à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Bonne chance. Quel est le plus haut bâtiment du monde? Dans quel pays se trouve-t-il? Culture générale. Quel est le plus haut bâtiment du monde? Et dans quel pays se trouve-t-il? Le plus haut bâtiment du monde? Et dans quel pays se trouve-t-il? Ça vient pas. On les applaudit quand même. Il va falloir vous réveiller parce que c'est en disant n'importe quoi que vous pouvez tomber sur la bonne réponse. Donc n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. La main revient à Baba Mustapha. Allons-y, deuxième question. Biologie, combien a un adulte? Alors, les membres du jury, vous avez un micro pour compléter cette question qui est, il n'est pas au complet. En biologie, combien a un adulte? De dents, vous voulez dire, ou de... Combien de dents? De dents. C'est ça? Oui. Merci, docteur. Combien de dents possède un adulte? Un adulte a 32 dents. 32 dents. Ah ouais. Allez, la main revient tout de suite donc à Sainte-Thérèse d'Avila. Allez-y, n'ayez pas peur. Hein. Je vous sens un peu timide. D'accord? Trois grands garçons comme ça, timides, ça passe pas.
Relâchez-vous, on lit la question. Très rapidement. Actualité. Ouais. Dans quel pays se déroulera les 9e Jeux de la francophonie qui dérouleront du 28 juillet au 6 août 2023. Je vous parlais de radio, de télé et d'internet. Il faut se cultiver là où nous sommes en actualité. Dans quel pays se déroulera les 9e Jeux de la francophonie? Le Burkina. Le Burkina. Mais c'est pas mal, on les applaudit bien fort. Je vous dis, n'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Citoyenneté, c'est quoi la citoyenneté selon vous? Voilà, ça c'est une question ça. On vous demande de développer, disserter, de nous dire c'est quoi la citoyenneté selon vous. Oui, mon cher Pardès. Ouais. La citoyenneté, c'est le fait de savoir vivre en société. Respecter les règles établies par la société, les règlements et donc, se comporter en bon citoyen. En bon citoyen. Ouais. Ça, c'est joli, ça. Oui. Des compléments, parce qu'on peut développer ça sur deux pages, hein, la citoyenneté. Applaudissez bien fort. Allez, la main vient cette fois-ci à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Vous êtes en bleu, jaune, rouge. Ça, c'est les couleurs, les meilleures couleurs de la terre, du meilleur drapeau. Vous devez défendre le drapeau tchadien. Allez-y, jetez-vous à l'eau. Citoyenneté. Oui, encore. Comment peut-on lutter contre la désertification? Question ouverte. Allons-y. Comment peut-on lutter contre la désertification qui gagne du terrain? Pour lutter contre la, désertification, oui. Nous devons planter des arbres. Nous devons sensibiliser, oui. Interdire le braconnage. Braconnage. Et nous devons aussi organiser la semaine des arbres. Ça, c'est bien ça. Wow. À ça planter bien. Des arbres. On applaudit de vous. Attention, avant-dernière question pour Baba Mustapha. Allons-y, Francine. Sport. Combien d'équipes participent en ce moment au championnat national de football du Tchad qui se déroule en N'Djamena? Voilà, en ce moment se déroule tambour battant le championnat national du football avec plusieurs clubs venus de partout dans les différentes villes, provinces et N'Djamena aussi. Est-ce que vous regardez? Vous aimez? Vous allez au stade quand même? Oui, oui. Toi, tu es allé regarder un match? Oui. Match de quelle équipe? Moi, je n'ai pas vu un match. Hein. Ah, tu n'es pas allé. Mais ça, c'est pas bien. Allez, venons-en à la question. Le temps que vous réfléchissez, combien d'équipes participent à ce championnat national? On estime ou on donne le nombre. Nombre exact. Nous sommes dans l'exactitude. C'est les sciences. Hein. C'est les chiffres. Il n'y a pas de virgule. Il n'y a pas de à peu près. Applaudissez-les bien fort. Ils réfléchissent à haute voix, là. Ah non, vous ne les applaudissez pas. On en a combien? Le temps est écoulé il y a longtemps. Il y a belle lurette. Bon, comme vous avez dit, le championnat se déroule à N'Djamena. Dans les provinces et dans les provinces également. Non, c'est ici à N'Djamena, dans différents stades de N'Djamena. Mais les équipes sont venues de différentes villes. Ça donne combien? Il y a 23 régions qui participent, donc c'est-à-dire 23 équipes qui viennent. 23 équipes. D'accord, on prend ça comme ça. Applaudissez bien fort. Avant, dernière question pour Sainte-Thérèse d'Avila. Allez-y. Dans quel pays et quelle ville se déroule le festival Africa Jarque? Africa Jarque. Ça aussi, c'est l'actualité dominante du moment. En ce moment, une cinquantaine, voire une centaine d'artistes et d'ambassadeurs de la culture tchadienne sont en. Sont en. Je ne dis pas. Et se déroule Africa Jarque, qui est un festival. On veut le pays où ils sont. Et puis, la ville. Avec précision. Big up à eux, hein, s'ils nous regardent, ceux qui sont là-bas. Appréciez-les, comme ça, ça va leur donner un peu de punch. Ouais. Ça vient pas? Non? Non. 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 OK. Bon, on prend ça comme ça. Dernière question pour
Baba Moustapha, bonne chance. On est en géographie. On est en géographie. Pour quel finir. Est le pays le plus grand de l'Afrique et le plus de l'Afrique? Le plus petit, vous voulez dire, le membre du jury. Erreur de frappe. Comme ça. Jury va confirmer. Géographie, quel est le pays le plus grand de l'Afrique et le plus petit? L'Afrique, n'est-ce pas, docteur? Confirmation? Oui. Plus grand et plus petit. L'infiniment petit, l'infiniment grand pays de l'Afrique. Ça vient pas? Oui, bon, allons-y. Le plus grand? Le plus grand, non. C'est l'eau. Ouais. Non, attendez-vous, je vous laisse une seconde. D'accord. C'est bon, on est d'accord? Voilà. Bon. Qui a convaincu son ami? C'est lui. Il t'a convaincu? T'es sûr? Bon, on lui laisse la main, alors. Allons-y. Le plus grand pays de l'Afrique, c'est le Soudan. Et le plus petit, c'est le Comore. Le Comore? C'est les Comores. Ouais. Allez, il va falloir se rattraper. Sainte-Thérèse d'Avila, vous êtes les enfants de Dieu. Histoire. Il va vous inspirer forcément. Allons-y en histoire, après géographie. Donnez le nom et le prénom du président en exercice de la CEA. CEA. C. C. C'est ça, non? Oui. Voilà. Donnez le nom et le prénom du président en exercice de la CEAC. CEAC. Monsieur Barka, Monsieur Succès, Stéphane, applaudissez bien fort pour eux, ils n'ont rien à nous amener, à nous apporter. Ati kati kati, ati kati kati, yal nawen. Ah, vous êtes déjà fatigué, yal nawen. Ici là, vous êtes très lourd, aussi jeune, vous êtes très lourd comme ça, yal nawen. Bon, tant que vous ne vous levez pas, on va continuer comme ça. Yal Nawen. Non, pas ça. Yal Nawen. Applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Atika Tika Ti. Allez, après donc, à qui la réponse? Nous sommes à présent dans les jeux. On va s'amuser à présent. Et pour cette rubrique, nous sommes dans, on a choisi le jeu de visette. On va y inviter face à face donc Francine et Kem Solbay Koy Tolna. On les applaudit bien fort. Et elle me rejoint. Vite, s'il vous plaît. Il me rejoint aussi. Voilà. Venez d'abord ici. Applaudissez pour les deux, s'il vous plaît. Sarah et Kem Solbay Koy Tolna. Allez, nous, ce qu'on va faire ici, on va s'amuser. Donc, respirez d'abord à fond. Hein? Il faut être relax. OK? Ouais. L'objectif, c'est de faire rentrer autour de ce bâton les cercles qui sont là-bas ou les cerceaux qui sont là-bas. D'accord? Hein? Donc, c'est de prendre tout son élan pour viser et faire entrer ici. Au cas où vous ratez l'objectif, vous perdez un point. On les applaudit bien fort. Prenez position, s'il vous plaît. Le public, on veut avoir votre participation. On veut que vous soyez réactifs. Vous soyez avec nous. Donc à chaque fois, vous les applaudissez bien fort. D'accord? Ati kati kati? Ati kati kati? On va commencer par la candidate de Baba Moustapha. Ça va? Tu es prête, Sarah? Allons-y. Vous faites comme vous voulez. C'est un par ici, un par là, au fur et à mesure. Maintenant, prenez les dispositions qui s'imposent. Hein. Vous pouvez prendre la position qui vous plaît, mais ne dépassez pas là où il y a le petit truc blanc. OK? On y va, Sarah, on l'applaudit déjà, c'est parti. Top. Concentration. Top, c'est parti. Raté. La main vient à M. Koy Tolna. C'est parti, on prend attention. Dégagez d'abord les cerceaux de là où il y a le si. Voilà. Donc le pied ne dépasse pas ce niveau. Allons-y. Raté. 0-0. Deuxième chance. Raté. Raté. Je pense que Kem Solbay est plus proche que Sarah.
Allons-y. Raté. 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 Attention. Raté. Un instant. Respirez. Et on les applaudit, s'il vous plaît. Il reste deux chances par équipe. Deux chances. Je dis bien, prenez votre souffle, prenez l'allure qui va avec, l'élan qui va avec, et visez-moi ça tout droit. Allons-y, Sarah. Oh, c'est encore plus loin. On se rapproche. Koitolan, top. Moins un. Sarah, dernière balle ratée. Koitolan, on y va. Oh. On les applaudit quand même. La maison de la culture Baba Mustapha est située au centre de la ville, en face de l'ambassade de l'Allemagne et en face également de l'école du centre. La maison de la culture Baba Mustapha est une maison des jeunes, en général et des artistes également. Et cette maison prône la culture, le mieux vivre ensemble. Et elle promet également l'insertion des jeunes. Elle a pour mission d'éduquer les jeunes, surtout en matière de vivre ensemble, la citoyenneté. Et elle encadre également les jeunes à travers les formations. Elle sensibilise. Formation dans divers domaines, l'entrepreneuriat, le marketing. Les jeunes également font des spectacles inter-établissements. Et la maison également sensibilise les jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH-SIDA. Nous organisons également des causeries éducatives, des conférences débats. Nous organisons également des journées portes ouvertes pour faire comprendre au public ce que nous faisons. Et etc. Beaucoup d'activités. Notre paroisse se trouve au 7e arrondissement, okay, de la ville de N'Djamena. La coordination, c'est le rassemblement de tous les mouvements et services qui œuvrent, des jeunes, hein, précisons, qui œuvrent dans une paroisse catholique. Voilà. Donc maintenant, dans cette coordination, il y a le mouvement Jeunesse étudiante chrétienne, la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, Jeunesse ouvrière chrétienne. Il y a scouts, les scouts, l'association des scouts du Tchad, il y a les guides, il y a, en ce qui concerne les groupes maintenant, il y a le groupe des servants de messe, il y a les filles de quête, il y a le groupe des vocations, ceux qui seront plus tard consacrés, prêtres ou religieux ou religieuses. Oui. Donc, particulièrement, la coordination d'Amtoukouin est une très grande coordination, je peux le dire, je peux me permettre, parce que nos jeunes sont très engagés, avant tout, pour la vie même de notre paroisse, et se distinguent, parce qu'ils sont soucieux de leur avenir. Ils ne baissent jamais le bras, et on profite pour mettre en œuvre toutes ces choses, on profite de la charité de nos fidèles. Vraiment, nos fidèles et nos aînés nous aident énormément. Yal Nawen. Yal Amtoukouy Wen. Yal Baba Mustapha Wen. Ah, je vous adore. Appréciez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Nous sommes de l'autre côté de Zoom après cette virée dans les deux structures. Face à face, la paroisse Saint-Thérèse d'Avila, d'Amtoukoui, et le centre culturel Baba Mustapha. Nous revenons ici pour tout beau
tout propre. Il est question de sujet de santé. On va inviter le candidat de la paroisse, Sainte-Thérèse d'Avila. Il s'agit de Monsieur Asra. On l'applaudit bien fort. Bonjour mon cher Asra. Bonjour. Comment tu vas? Ça va. Mesdames, chers jury, chers spectateurs, chers téléspectateurs, bonjour à vous. Je suis ici pour vous présenter l'incandescence de mon thème qui se porte sur la toxicomanie. D'abord, il faut savoir qu'est-ce que la toxicomanie. La toxicomanie, je l'ai définie à ma manière comme une maladie qui se manifeste lors de la consommation abusive des produits, des substances toxiques comme la drogue, la cocaïne, etc. Mais d'après le dictionnaire Larousse, 2012 ou 2009, je ne sais pas, définit la toxicomanie comme l'autre comportement habituel qui consiste à consommer des produits psychotropes, c'est-à-dire la drogue, exactement la drogue. Ok, d'abord, j'aimerais vous faire savoir les causes. Les causes de cette consommation de ces substances sont les suivantes. Nous avons l'irresponsabilité des parents, le civisme et l'orgueil. Pourquoi j'ai choisi ces trois causes? Parce que dans une famille où il n'y a pas l'entente, aucune réussite n'est favorable. Le civisme, nous jeunes de maintenant, nous voulons suivre les autres sans toutefois consulter les parents ni l'autre, le milieu dont nous vivons. Ainsi, j'ai choisi l'orgueil. L'orgueil parce que tout le monde se montre, veut faire comprendre que je suis un homme, que je peux faire comme les artistes également. Les conséquences, nous avons toute personne qui consomme ces substances ont une incapacité intellectuelle. Toute personne qui consomme ces substances à travers comme les injections avec une aiguille infectée peut également atteindre le virus appelé autrement VIH-SIDA. Donc les solutions que je propose à mon thème ici sont les suivantes. De faire la sensibilisation à travers les radios, la télévision, comme je le suis maintenant, également dans les maisons du quartier qui sont les lieux d'éducation, de culture et ainsi de formation, les jeunes comme Baba Mustapha, de faire montrer aux jeunes les conséquences désastreuses que pose ce thème. Merci. Atika, 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 Yal Nawel. Est-ce que vous êtes encore avec moi? On applaudit, s'il vous plaît, bien fort pour la candidate de la Maison de la Culture Baba Mustapha, Zina. Alors, Zina, quel est le thème? La variole des champs. La variole? De singe. La variole de singe. Du singe. C'est ça? Oui. D'accord. La variole du singe est une maladie virale. Elle se transmet à l'homme par un contact avec les personnes, les animaux et aussi les objets contenus du virus. OK. Elle peut être contractée par des choses, par exemple des matériels blessants comme les lames, les aiguilles. Les singes subissent généralement des fièvres, par exemple, le maux de tête violent, les douleurs musculaires, les douleurs dorsales, une baisse d'énergie, un gonflement de ganglions lymphatiques, des éruptions des lésions cutanées. Mesures de prévention. Pour réduire cette contamination, on doit éviter le contact direct avec les animaux sauvages. Les personnes contagieuses, on doit aussi les éviter de ne pas avoir de lien avec eux. On doit les écarter des autres. Allez, nous sommes maintenant dans Fête à Star, la dernière rubrique avec quelques manches. On
commence par l'hymne national, la poésie et on finit par la danse. J'espère que le public aime danser. Le public de Yalla aime danser. Est-ce que vous aimez danser? Si vous aimez danser, applaudissez bien fort pour vous. On va donc commencer tout de suite et maintenant hymne national, candidate du centre de culture, de la maison de la culture Baba Mustapha. Pardon, elle s'appelle Safiatou. On applaudit très fort Safiatou, s'il vous plaît. Safiatou, je te cherche. Viens, on applaudit bien fort. Applaudissements pour l'accompagner, pour l'accueillir. Safiatou, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui. Tu vas bien? Oui. En forme? Oui. On est là pour l'hymne national qu'on appelle la... Tchadienne. La Tchadienne. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde. Que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, en avançant, en chantant, fidèles à tes anciens qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage. Tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Applaudissements. Mais vraiment, applaudissements bien fournis pour Safiatou qui a chanté excellemment bien. Dans un silence et surtout un sang-froid. Après, Safiatou, sous vos applaudissements, mesdames, messieurs, Dadina, Cédric, Ouzibé, on applaudit bien fort. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté. Naîtra de ton courage, lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant. Fidèle à tes ancêtres qui te regardent. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage. Tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. On applaudit bien fort. Bravo, champion. Super. On découvre beaucoup de choses avec les enfants, dont Yalna, et le rêve est permis. Il faut rêver grand. Nous sommes là pour vous aider et vous y accompagner, les futurs cadres de ce pays-là. On va donc passer cette fois-ci dans la deuxième manche de Fête à Star. Nous sommes avec les futurs poètes, les poètes en devenir. Ils mettront des mots sur nos mots. On commence par le candidat de Baba Mustapha et c'est bien sûr... Abakar Baba, on l'applaudit bien fort. Abakar Baba, voilà, qui a un peu du mal avec le rideau comme les autres candidats. Ça va, Abakar? En forme? Allez, viens, tu es la star, tu sais. La paix au Tchad. Tchad, berceau de l'humanité, pays de l'hospitalité, de solidarité et de business. Tchadienne, tchadien.
Laissons de côté nos différentes ethnies religieuses et régionales. Donnons-nous la main pour cohabiter pacifiquement ensemble pour la paix dans notre pays. Doum et Sarah sont des frères, donc cultivons le vivre ensemble de nos aïeux. Cultivateur a besoin de l'éleveur. L'éleveur a besoin aussi du cultivateur. Donc arrêtons définitivement les conflits agriculteurs et éleveurs et instaurons la justice pour une vraie démocratie du Tchad. Car là où il y a la justice, il y aura toujours la paix. Vive le peuple de la paix pour que vive le Tchad. Je vous remercie. Allez, tout de suite et maintenant, nous allons nous tourner vers le candidat ou la candidate de Sainte-Thérèse d'Avila. On applaudit bien fort pour Prisca. On applaudit bien fort. Bienvenue Prisca, qui calcule les pas avant de les poser. En venant ici, ça va? Très bien. C'est quoi le poème, le titre? Il faut parler dans le micro. Non à la violence. Non à la violence. Allons-y. Oh toi jeune, toi qui portes un si grand espoir en toi, ta nation compte sur toi, ton pays compte sur toi, ta société compte sur toi. Pourquoi utilises-tu la violence? Laisse-moi te dire que la violence est la cause de tous les maux dont souffre notre société. Laisse-moi te dire encore que la violence est la petite sœur de l'échec. Je te propose maintenant le dialogue, la cohabitation pacifique. Car dans ton sang coule un sang fort, un sang de Tchadien, un sang courageux. Je vous remercie. Bravo! Viens là. Atik, Atik, Atik! Nous sommes arrivés à la dernière sortie, mes amis. J'aimerais que vous me donniez les dernières énergies qui vous restent. Atik, Atik, Atik! Yal, Nawen! Super, applaudissez bien fort pour vous, s'il vous plaît. Ça va, vous allez bien? On va donc faire un triomphe pour la dernière sortie des candidats de Baba Mustapha qui vont venir danser. Et il me semble que c'est une seule. Elle s'appelle Chantou Babize. Elle est là, c'est la star. Applaudissez bien fort pour Chantou Babize et son équipe. Ah ouais. Cousins habitent chez R. Tout le monde qui sont à Christ, Minda Sundu, Guru Za Indina, Digisha de Gaza Mayafa, Gal Anafag, Fala Ram Samekida, Tin, Pas de vie dans la méfiance, non, pas de vie dans tout ça, pas de vie dans la misère.
galère, non, pas dit dans tout ça. Pas dit dans la douleur, pas dit dans les malheurs, non, pas dit dans tout ça. Tata, tonton, écoutez ceci. Quand un pays est en guerre, les enfants ne sont pas protégés. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école. Les enfants ne mangent pas bien. Les enfants souffrent beaucoup. Chers parents, nous voulons la paix dans notre pays, le Tchad. Les enfants n'ont que deux vies. Chantou, applaudissez très fort pour Chantou, s'il vous plaît. Et ces deux danseuses, bravo. Dernière sortie pour boucler la boucle. Et on se tourne vers les jeunes de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila d'Amtoukoui. Est-ce qu'on peut faire un triomphe, un maximum d'applaudissements pour les accueillir? Asamo kalam da seme ani na gadini ni kuli na ke akwa. Wala na kugaluta rabi kuka sarale ani na kuli na sawa akwa. On applaudit bien fort. Voilà donc du chaud, du beau, du gros. Ça se passe dans Iyalna en vacances. Vive les vacances sur Télé-Tchad. Est-ce qu'on peut applaudir pour les deux équipes qui ont été formidables? Allez, nous voilà donc arrivés au terme de cette tranche. Avec tout ce que vous avez vu, vous avez apprécié, vous avez aimé. On est allé dans tous les sens et c'est une mixture bien homogène. On va voir le résultat à présent. Avec les membres du jury, l'artiste complet, Gerinubay Razolo, docteur Atienemou, Samuel Sami et l'enseignant Monsieur Succès Dim Tebay. On les applaudit bien fort. Nous allons donc découvrir ensemble le résultat avec les membres du jury. Bonjour. Oui, bonjour. La première manche, il y avait au total 10 questions qui étaient posées. Donc, vous avez également constaté que les deux équipes ont donné, n'est-ce pas, des propositions de réponses de part et d'autre. Alors, on va vous proposer, n'est-ce pas, les réponses de ces 10 questions.
Et après, nous allons également vous donner, n'est-ce pas, le résultat concernant les deux équipes. La première question était relative, n'est-ce pas, au sport. Combien d'équipes participent en ce moment au championnat national de football du Tchad qui se déroule en ce moment en N'Djamena? Donc, la bonne réponse, c'est 12 équipes. Culture. Dans quel pays et quelle ville se déroule le festival Afri Kajark? Donc, ça se déroule en France, précisément à Kajark. Géographie. Quel est le pays le plus grand d'Afrique et aussi le pays le plus petit d'Afrique? Donc, la première proposition, le pays le plus grand d'Afrique, c'est l'Algérie, avec une superficie de 2 381 741 km². Et le pays le plus petit, s'il faut le dire en termes, n'est-ce pas, de pays continental, c'est la Gambie, avec 11 295 km². Cependant, il faut noter que les îles Seychelles ont, n'est-ce pas, une superficie seulement de 455 000 km², sauf que c'est un îlot de îles. Donc, c'est constitué de 115 îlots. Donc, les Seychelles sont, n'est-ce pas, un îlot de îles, raison pour laquelle, s'il faut parler en termes de plus petits pays continental, c'est la Gambie. Histoire. Donnez le nom et le prénom du président en exercice de la CAC. Donc, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a pour président en exercice actuel le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Biologie, combien de dents a un adulte? Donc, un adulte a 32 dents. Citoyenneté, c'est quoi la citoyenneté selon vous? Donc, la citoyenneté, c'est simplement le fait d'être citoyen, c'est également le fait d'être une personne civique qui respecte, n'est-ce pas, ses droits et devoirs en tant que citoyen, en tant qu'individu qui réside, n'est-ce pas, dans une cité. Culture générale. Quel est le plus haut bâtiment du monde et dans quel pays se trouve-t-il? Alors, la bonne réponse est le Burj Khalifa qui se trouve à Dubaï et qui a, n'est-ce pas, une altitude qui est estimée à 828 mètres. Devinette. Quel est la différence entre celui qui tombe du premier et celui qui tombe du dixième étage? Ici, celui qui tombe du premier étage, il tombe avant de crier. Maintenant, celui qui tombe du dixième étage, il crie avant de tomber. Maintenant, l'actualité. Dans quel pays se déroulera les 9e jours de la francophonie qui aura lieu du 28 juillet au 6 août 2023? Donc, c'est précisément à Kinshasa, en RDC, donc en République démocratique du Congo. Citoyenneté encore. Comment peut-on lutter contre la désertification? Donc, pour lutter contre la désertification, il faut éviter la coupe abusive des arbres. Il faut, n'est-ce pas, pratiquer le reboisement, essayer de planter des arbres. Il faut également éduquer à la citoyenneté. Donc, voilà un peu les propositions de réponse concernant les 10 questions. Mais nous encourageons les deux équipes à se cultiver, à continuer encore de se cultiver, parce que là, vous avez également ressenti qu'il n'a pas été très facile pour eux de répondre aux questions qui concernent la culture générale, des questions qui font la une, n'est-ce pas, de l'actualité culturelle actuelle. Donc, ce sont, n'est-ce pas, des choses qu'il faut revoir pour la prochaine fois. Merci. Vous n'applaudissez pas pour lancer encore. Merci beaucoup. Donc ici, on va parler de la Manche tout beau, tout propre. On a eu deux thématiques. Il y a eu la toxicomanie. Et comme définition, selon l'OMS, c'est un état de dépendance physique ou psychique, ou peut-être les deux, vis-à-vis d'un produit qui s'établissant chez un sujet et à la suite de l'utilisation de ces produits. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'il utilise les produits, il va se stabiliser et puis il prend ça, comment je peux dire ça facilement, il va normaliser. Donc ça devient une dépendance et tout le temps, s'il n'a pas ça, c'est pas bon. Donc comme cause, il y a la pauvreté, il y a un déséquilibre biochimique qui est là au niveau du cerveau. Il y a les cas des maladies en famille, par exemple, ça peut amener la personne à prendre des psychotropes. Il y a les situations de guerre.
Voilà, la personne est déprimée et elle a tendance à aller prendre des psychotropes. Comme conséquence, c'est la perte de la productivité. Donc, les personnes accros aux psychotropes ne sont plus très productives. Et ça ruine la santé physique, la santé mentale. Il y a aussi la délinquance sexuelle qui est là. Et puis, il y a l'échec scolaire. Comme solution, il faut, on a les formations et adaptation. Par exemple, il y a des centres des toxicomanies, d'intoxication qui sont là. Donc, il faut amener les patients dépendants. Et puis, il y a l'obtention de substances psychotropes. Il faut faire le counseling et puis évaluer le sujet et puis commencer un traitement psychiatrique, par exemple. Et il y a la prévention qui est là. Et au ministère de la Santé, il y a un programme spécial pour ça. Achikachikachi ! Il y a eu trois rubriques, en l'occurrence la poésie, la tchadienne et puis la chorégraphie. Et j'aimerais bien qu'on applaudisse spécialement pour notre diva, la petite qui est venue nous faire le playback, mais c'était très très chaud. Applaudissez quand même. Merci. On a noté par rapport à la présence scénique, l'occupation scénique, la complicité entre ceux qui partagent la scène, les danseurs, et chaque rubrique était notée, deux points, donc la sommation de Fête à Star était sur 6 points et les deux équipes nous ont arraché toutes les deux les 6 points. En l'occurrence, les deux. Donc, Centre Baba Mustapha avait eu 6 sur 6. Et Thérèse Davila aussi a eu 6 sur 6 en ce qui concerne la rubrique Fête à Star. Mais le résultat global vous sera donné par notre petit frère Succès. Alors, merci. Je viens encore une fois de plus pour pouvoir mentionner, n'est-ce pas, les points arrachés par les deux équipes. Donc, Maison de Culture, Mustapha a arraché 4 sur 10 en ce qui concerne la première rubrique. Maintenant, Paroisse Sainte-Thérèse d'Avila en a, n'est-ce pas, rafalé 2 sur 10. Donc, si on essaye, n'est-ce pas, d'associer l'ensemble des points qui ont été, n'est-ce pas, donnés ça et là, donc ici, ça fait 4 sur 10 pour la première équipe, plus 6 sur 6, ça fait 10, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on essaie, n'est-ce pas, d'ajouter également les deux points, ça vous fera exactement une note de... J'aimerais ce que vous dites vous-même, quoi. Ça fait une note de 12 sur 20. Alors, on va, n'est-ce pas, partir de l'autre côté là-bas de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Donc, ça fait, n'est-ce pas, 2 sur 10 plus 6 sur 6 et également plus 2 sur 2. Donc, ça fait ici un total de 12. Donc, 12 plus 2. Vous allez m'excuser parce que j'ai oublié une rubrique. J'ai oublié, n'est-ce pas, la rubrique « Tout beau, tout propre ». Donc là, ça fait, on ajoute, n'est-ce pas, les deux points, n'est-ce pas, aux deux équipes. Ça nous fera 14 de l'autre côté là-bas et ça fait 12 pour la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila. Donc au total, pour la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, n'est-ce pas, ça fait 12 sur 20 et pour Baba Mustapha, ça nous fait 14 sur 20. Donc on va, n'est-ce pas, applaudir très très fort pour les deux équipes. Et comme nous l'avons dit, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas, n'est-ce pas, de perdant. Toutes les deux équipes sont gagnantes. Donc c'est juste, n'est-ce pas, un jeu et nous nous encourageons encore à faire davantage. Vous avez vu qu'il y a simplement eu un écart de 2 points. Donc ce qui prouve, n'est-ce pas, que toutes les deux équipes ont été à la taille, n'est-ce pas, du jeu, en fait. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous le chef de service antenne et régie, M. Singsala Djolikissam. Est-ce qu'on peut applaudir bien fort, M. Singsala, s'il vous plaît? Vous avez donc l'honneur de remettre le premier lot qui revient à la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila d'Amtoukoui. Un prix d'encouragement, de continuer, peu importe l'improvisation, d'être toujours prêt chaque jour et à faire plus la prochaine fois.
Voilà. Mes encouragements. Mes encouragements. Merci. Le deuxième lot qui revient de droit à l'équipe gagnante, l'équipe très talentueuse de Baba Mustapha. Applaudissements. On accueille le prix gagnant. Voilà. Monsieur Siméon qui amène donc ce deuxième lot, le prix gagnant. Voilà, signé par le DG Lunama. Voilà, et des mots de félicitations et d'encouragement. Est-ce qu'on peut applaudir ce moment solennel? Merci beaucoup, M. Sinsala. Merci infiniment. Yael Navakan se poursuit. Rendez-vous la semaine prochaine pour un deuxième numéro spécial. Venez tout le monde, venez, on va s'amuser. Et on dit bye-bye à tous ceux qui nous ont regardés. Ça va? Bien? D'accord. Allez. La star. Ça va? Bien? D'accord. Allez. La star.